aïe, quelle bonne femme j'ai été épousée là, mon vieux. Elle ne pense qu'au travail et surtout à l'argent. Tout ce que je déteste. Enfin. Tu m'engueules sans arrêter parce qu'on n'a pas d'argent. Et qu'on ne peut rien acheter pour nourrir tes parents. Mais je peux pas travailler debout parce que ça me fait mal aux genoux. Je peux pas travailler assis, ça me fait mal au coccyx. Je suis vraiment foutu comme l'as de pique, comme disent les intellectuels masochistes. Aujourd'hui, le directeur des galeries Lafleur m'a offert une situation de garçon d'ascenseur. Mais je peux pas descendre et monter, j'ai le foie qui va décrocher. Je peux pas travailler en boîte, j'ai les poumons comme de l'ouate. Alouate, j'en dis alouate, comme disent les Canadiens. La voisine m'a proposé de laver ses carreaux. Et elle m'a apporté un énorme escabeau. Mais je peux pas travailler en l'air, j'ai le vertige, je peux me foutre par terre. Je pourrais travailler couché, mais personne ne veut m'embaucher. Ils ont bien raison, moi je ne travaille pas, je pense. Je pense, donc je suis, comme dirait Glass. Onésime qui tient l'orchestre au dancing du carrefour m'a demandé d'entrer chez lui pour jouer du tambour. Mais je veux pas travailler dans le bruit, ça me donne des tas de maladies. Je veux pas travailler des bras, j'ai l'épaule qui tourne pas. Chez moi, rien ne tourne d'ailleurs. C'est au tournant que l'on devient virage, comme dirait Galilée. Monsieur Jean, le commerçant qui a des plantations, me dit, Jules, viens donc chez nous, faut cueillir le coton. Mais je peux pas travailler penché, ma colonne veut pas se plier. Je peux pas travailler courbé, j'ai les doigts de pied recourbés. À propos, tu as pas trouvé chaussures à ton pied, toi, comme dirait Panard. La Julie, ma belle copine qui bosse à l'extérieur, me suggère de m'occuper de son petit intérieur. Chouette, je vais pouvoir travailler couché. J'ai fini par me faire embaucher, mais je vois pas pourquoi t'es fâché. Tes parents pourront bouffer. Ah, alors mais qu'est-ce qui m'est arrivé à les épouser une bonne femme comme ça? Vous vous rendez compte, dit-on, une vraie calamité. Elle ne peut pas me laisser tranquille, je peux pas m'allonger 5 secondes. Hop, il faut toujours faire quelque chose, je dois aller chercher de l'argent. Mais qu'est-ce que je fais, mon Dieu, quand même? Quand je pense à mon copain Guitter qui fait la grande vie là, tous les samedis, il va au bal, il fait son brené. Enfin, qu'est-ce que c'est?